Bonjour les belles lumières et bienvenue pour le mardi symbolique édition 19. 19, je me suis dit, il faut quand même innover quelque chose. Et je me suis dit qu'on allait utiliser 3D. Ouais. Hein? On va essayer avec 3D, voir un peu ce qui nous vient quand on voit directement trois petites illustrations. D'accord? Donc je rappelle le principe de ce mardi symbolique, c'est de tout simplement prendre un petit cahier de quoi noter ou directement aller sur la page Facebook et dans le groupe hashtag Move Challenge qui a été créé par Wassima et Candice que je salue au passage. Et du coup, vous pouvez faire cet exercice directement. Alors, il est préférable de faire cet exercice sur le groupe parce que moi, j'y passe par la suite pour vous mettre mon petit commentaire et mes petites félicitations et ainsi vous faire un petit coucou. Vous pouvez également le faire en dessous de cette vidéo. Il y a vraiment pas de souci avec ça. C'est juste que vraiment, on se retrouve vraiment tous là-bas, voilà, pour faire les exercices. Et puis, ben, dans le Move Challenge, il y a tellement de choses à faire et le groupe s'agrandit de plus en plus et on a des challenges de plus en plus super chouette, voilà, pour développer notre intuition, pour être en contact avec les cartes, avec plein de choses. Donc voilà, si vous aimez ce monde, je pense que ce groupe va vraiment peut vraiment vous plaire. Donc évidemment, ce que je vous conseille, c'est de ne pas regarder la réponse des autres personnes et directement de taper vous ce que vous ressentez, parce qu'évidemment, quand vous voyez une image, n'oubliez pas que c'est pas votre mental qui doit dire, ah ben je vois une porte qui est ouverte. Oui, tout le monde voit la porte ouverte, je pense, parce qu'on a des problèmes de vue. Mais ici, c'est plutôt d'être dans le ressenti. Qu'est-ce que je ressens? Mais je ressens que cette porte ouverte peut amener sur l'inconnu, l'obscurité, des choses que je ne connais pas. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment dire de faire confiance à son intuition, de ce qui vient en premier, et de pas se laisser happer après par le mental, parce qu'après le mental, il prend vite le contrôle des choses. Donc, si vous n'avez jamais fait de mardi symbolique, je vous invite quand même à faire les premières vidéos avec les premiers exercices. Ce sera beaucoup plus accessible, voilà, pour comprendre et pour faire ces exercices-là. Après, si voilà, vous êtes quelqu'un qui lisez facilement les cartes, qui avait vraiment, vous êtes connecté avec votre intuition, vous travaillez très souvent avec elle, et je pense que du coup, faire une lecture de 3D comme ça vous posera aucun problème. Donc, à vous de voir, d'accord? Sur ce, on va commencer directement alors. Il y aura trois combinaisons. Voilà, comme il y a 3D, ça mettra peut-être un peu plus de temps et un peu plus d'écriture à faire. Donc je me suis dit, voilà, trois exercices, c'est toujours ça. Donc c'est parti! Alors, les premiers dés, alors je vais essayer de vous les mettre dans l'ordre. Ça se peut que... Est-ce que comme ça, ils sont dans l'ordre? Oui. Alors, donc le premier, le singe. Le professeur ou un homme tout simplement et un arbuste. Singe, homme, professeur aussi, arbuste. Qu'est-ce qui vous vient directement? Directement, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Je ressens que ça et donc ça, ce que je ressens. Voilà. Voilà la première combinaison. Ensuite, la deuxième combinaison, la voici, la voilà. Il faut bien que je prenne bien les dés, parce que 3, pas évident. Hein. Deuxième combinaison, tiroir ouvert, éléphant couronne. Tiroir ouvert, éléphant couronne. Qu'est-ce qui me vient là maintenant? Je ressens que ça. Voilà. Et ensuite, la trois. Troisième combinaison de dés. N'hésitez pas à faire pause hein, si vous voulez. 3D, c'est pas évident, sérieux. Troisième combinaison, musique monstre, bonhomme fâché. Musique monstre, bonhomme fâché. Je ressens que ça. Voilà. Oui, le mot voilà, c'est mon mot. Hein. Vous l'aurez compris si vous me suivez dans les vidéos.
Sur ce, j'espère que cet exercice qui favorise effectivement l'intuition pour travailler plus avec elle, bien est-ce que ça vous plaît, voilà, que ces exercices, pardon, vous plaisent toujours autant. Et nous revoilà, nous revoici pour d'autres vidéos. À plus tard, les amis, bisous lumière.